is on point. What a play from the youngster. Hey, you gotta start cooking again. The league is bad. It's chaos. You ain't surviving that. It's going straight through the skull. Oh, my God. Yeah, you'll be seeing a lot more of that. Friday night, Rider Light. It's going. Oh, my goodness. That is sensational. Oh, my word. Oh, my. No. Ready to play ball. Let's go! Welcome to the kingdom, the online kingdom. Can he get there in time? He got the kill, are you kidding me? Let's just be awesome, bro. Let's just be awesome, okay? CDL's back, fetch me my beard oil. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième soirée de Cast en notre compagnie, la Code League en français, ça y est, elle est enfin de retour, ici Dims et je suis en compagnie de BRK pour vous faire vivre ce premier match de la soirée. On va bien évidemment faire un récapitulatif tous ensemble de la soirée d'hier, mais avant tout, comment tu vas mon petit Julien? Bah ça va super, on a passé une très très bonne journée hier, là on va repartir de... encore de plus belle, j'ai envie de dire, deuxième soirée justement de ce cast français, encore une fois le Homestone de Florida qui pour l'instant nous a montré du très très beau jeu, comme tu l'as dit, donc ça va très bien, j'espère que tu vas bien aussi, et on va pouvoir justement se faire un petit récap de la journée d'hier. Exactement, la journée d'hier qui a vu justement en match d'ouverture notre équipe française Cocorico Paris Légion affronter le monstre Atlanta FaZe. Vous pouvez le voir, malheureusement ça ne s'est pas très très bien passé pour eux puisqu'ils se sont inclinés sur le score de 3-1. On a eu ensuite les Optic Gaming face aux Royal Ravens qui ont frôlé l'exploit après avoir fait un start dans ces home series un petit peu catastrophique. Malheureusement pour eux, les Londoniens ont mis un petit peu l'Europe au goût du jour et sont partis rejoindre FaZe. Donc au round 2, on aura après bien évidemment les New York Subliners qui ont été un petit peu surpris, on a envie de dire, mon cher Julien, par les Toronto Ultra qui ont montré un gros niveau de jeu, et on a terminé la soirée avec un 3-0 assez expéditif de la part des Florida Mutineers qui justement évoluent entre guillemets à domicile face au Minnesota Rocker. Donc quatre rencontres assez disputantes, on a vu quand même de très très bon niveau de jeu et on a vu que les hiérarchies entre guillemets entre les équipes n'étaient pas forcément respectées. Ouais, tout à fait, effectivement, c'était pas ultra respecté, surtout pour ce match entre, on l'a vu, hein, les Ultras et les Subliners, c'était vraiment ultra surprenant de voir un tel résultat, mais pour l'instant, on va dire qu'ils sont en train de nous montrer du beau niveau de jeu, cette équipe de Toronto, la seule franchise canadienne pour l'instant de cette Call of Duty League, mais bon, on espère vraiment voir du beau match, on l'a vu, justement tu en parlais lors dans ce groupe B, les Atlanta FaZe qui n'ont fait qu'une bouchée des Paris Legion, tu avais d'ailleurs commenté ce match, honnêtement peut-être que les FaZe sont un cran au-dessus de la compétition lors de ce tournoi. Ouais, on l'a vu, les FaZe qui, en fait, ce qui m'a surtout assez surpris, c'est leur capacité à ne pas douter, à laisser les très très peu de période de flottement sur les différentes cartes. On l'a vu à chaque fois que Paris a su réagir, a su peut-être essayer de disséminer un petit peu de doute dans la tête des FaZe, ça a été tout de suite repris et on les a pas laissé nourrir beaucoup d'espoir. Et puis voilà, quand il a fallu punir sur cette quatrième carte, un HP qui s'est terminé, qui a bien failli se terminer en 20 ou 30 points club hein, pour les joueurs parisiens qui ont finalement su revenir, mais malheureusement pour eux un tout petit peu trop tard. Et c'est pour ça que je pense que la première confrontation qu'on va avoir aujourd'hui, à savoir les Royal Ravens de Londres face aux Atlanta FaZe, risque de faire des étincelles au vu du niveau de jeu des deux équipes. Ouais. C'est clair, en plus les Ravens se sont un petit peu fait surprendre par une équipe de Opsi Gaming qui commence doucement à trouver son rythme, mais on a su être super solide, hein, on se souvient d'ailleurs, hein, c'était il me semble Dylan qui a réussi un 1 contre 2 lors du dernier round de cette recherche et destruction, c'était le round 10 justement face à cette équipe des Opsi Gaming en Game 5, donc énormément d'optimisme dans cette défaite quand même du côté des Opti Gaming, mais c'est vrai que les Ravens étaient globalement l'équipe favorite lors de ce match et ils l'ont montré grâce à leur qualification. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là parce que Atlanta contre cette équipe justement des
London Royal Raven. Ça va être vraiment un super gros match, honnêtement. On va voir, je pense, du très très gros niveau de jeu. Et j'espère qu'en tout cas, on ira loin dans ce BO. Exactement, et comme tu l'as dit, on a pu le voir aussi sur le bracket, on aura bien évidemment d'autres rencontres tout au long de la soirée, hein. Vous pouvez voir les joueurs qui sont fin prêts, qui sont en train de se préparer à ce match. On a l'air assez détendu, hein, du côté des londoniens. On voit Dylan, voilà, qui a l'air de bien s'ambiancer avec Wiskin là, niveau musique. Il faut aussi relâcher un petit peu la pression avant le match, forcément. Justement, ce match, est-ce que étant donné le statut, on a envie de dire, de favori de FaZe, est-ce que les joueurs de Londres vont peut-être jouer un petit peu plus libérés que face à Optic Gaming hier, qui a semblé les faire douter et qui finalement, avec cette position d'ultra outsider, n'avait rien à perdre. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu Londres qui se retrouve dans cette position. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact sur leur façon d'aborder ce match ? C'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt important. Je veux juste revenir rapidement sur les clés de la victoire selon les Anglais. Je n'oublie pas ta question, mon cher Dims. Donc, essayer de changer justement un petit peu de changer, on va dire, de style de jeu en recherche et destruction et de ne pas que se baser sur les snipers, sur les open kill aux snipers, parce que évidemment, si ça ne rentre pas, bah, ça ne fonctionnera pas, évidemment, de leur côté. Dylan et Jerd sont des très bons joueurs en termes de playmaking. Donc, le fait de vraiment faire la différence dans le jeu. Donc, évidemment, ils vont vouloir tenter de faire la différence et essayer justement de voler une SND selon eux, parce que pour l'instant c'est vraiment pas leur mode de prédilection. Du côté des FaZe, justement, c'est essayer de continuer à faire ce qu'ils font globalement, parce que ça fonctionne extrêmement bien. Tous les joueurs ont été super hier, effectivement tout le monde a été excellent lors de ce premier jour ici du Homestand de Florida. Donc le KDA de 1-15 de toute l'équipe, ça veut bien montrer quelque chose. Ils ont été solides face à Paris et il faut continuer de leur côté. Donc clairement, c'est une chose à faire du côté de Londres, pour revenir sur eux rapidement, c'est que ils sont clairement pas les favoris dans ce match. Ils ont beaucoup moins de pression. Il faut tenter d'y aller à fond, repartir tout simplement peut-être avec des joueurs très solides comme Wuskin qui a 1,34 de KDA par exemple, et d'essayer d'utiliser son frère aussi qui est dans une bonne forme à l'heure actuelle, Scraps. Donc vraiment, cette alchimie, on va dire, un peu naturelle entre Scraps et Wuskin pourrait être ultra importante pour tenter d'aller chercher cette équipe des Atlanta FaZe. Ouais, il faudra beaucoup de courage, beaucoup d'application aussi pour ces joueurs européens. Et puis l'Europe, décidément, qui va briller, on l'espère en tout cas ce soir, puisque directement après cette rencontre, on aura la deuxième rencontre du winner bracket, à savoir, si je ne dis pas de bêtises, les Toronto Ultra face aux Mutineers. Et ensuite, Rocker. On aura surtout Paris Légion. On aura Paris Légion face à Optic Gaming, qui, à mon avis, va nous réserver énormément de spectacles aussi. Cette fois-ci, on part directement dans le match point stratégique, mon cher BRK, London Royal Ravens face aux Atlanta FaZe. On va voir si l'Europe va réussir à se défaire des États-Unis, et ça va partir assez rapidement, hein, du côté des joueurs, puisque j'ai l'impression qu'on va devoir relancer cette game. Ouais, je crois que Scraps n'était pas présent. On a quand même lancé la partie. C'est pas très grave, ça va être relancé, ne vous inquiétez pas. Mais dans tous les cas, c'est vrai que cette équipe là, justement, des FaZe sont peut-être, on le voit, sur le côté le plus difficile pour attaquer justement ce point stratégique. Donc à voir vraiment comment ça va se passer. J'espère qu'ils vont voir lancer la partie quand même, hein, du côté des arbitres, mais je pense que ça va pas tarder. Quoi qu'il en soit, c'est ultra ultra important de voir la suite aussi, hein, de ce BO, pour voir un peu la forme de Londres à l'heure actuelle. Donc pas mal de choses à venir. Pour l'instant, on n'a pas d'infos concernant le début de ce match, mais je me doute que dans tous les cas, je pense que les FaZe ne vont pas trop se baser sur une victoire là pour l'instant sur ce début de carte, parce qu'on n'était vraiment pas prêt. On n'a pas joué en top 5 du côté de Londres. Non, très clairement pas. C'est pas le but côté londonien. On va simplement attendre, voilà, que tout ça se stabilise pour pouvoir relancer cette carte. Et tu le disais, un bad side pour les joueurs de FaZe. On verra comment ils vont négocier. En tout cas, sur les modes à spawn, on les a vus assez clinique, hein, sur leur première journée de home series. Ça va être un gros défi d'entrée, mais on le sait, et forcément on l'a vu, beaucoup de talent, surtout du côté de Simp, qui est une vraie révélation. On l'avait vu, hein, l'année dernière, briller pour sa première année, et il maintient, entre guillemets, ce statut de rookie devenu grand.
Il va falloir Tout à fait. beaucoup beaucoup de courage, je pense, au London Royal Ravens pour stopper un petit peu sa folie meurtrière. Donc là, la partie a visiblement commencé. On ne relance pas. Je ne sais pas trop ce qui se passe là du côté de cette équipe. Parce qu'on s'est pas passé sur 100 points. 100 points pour recommencer à 0. Écoute, je sais pas. Peut-être qu'on comptera éventuellement 14 à 0 actuellement pour FaZe. Mais ça me semblerait pas trop logique. On va essayer de se renseigner. En tout cas, pour le moment, l'équipe qui est en train de s'enchaîner. Forcément, FaZe qui est devant. On va essayer de vous commencer ça tout de même dans les meilleures conditions. Attention à Jurd qui est un petit peu alerté dans le mid. C'est directement Major qui va prendre le meilleur sur lui. Presta qui décide de pousser pour essayer éventuellement d'aller chercher au niveau du fond. Mais c'est Scraps en bonne couverture qui va poser quelques soucis. Et les FaZe qui, pour le moment, sont toujours devant. Même si je ne pense pas que la première centaine de points soit comptabilisée. Ouais, je sais pas, mais bon, à voir vraiment pour la suite, parce que si jamais ils atteignent 150 points, on va dire que ça peut être, ça va arrêter la partie automatiquement. Donc, on attend le retour pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour l'instant, on est au niveau de ce point stratégique, on est bien placé du côté de Jordan, une bonne revenge de son côté, Scraps qui va pouvoir enchaîner, et on essaye de se repositionner justement du côté de Scraps pour tenir un maximum la ligne. Est-ce que justement on va pouvoir réussir à faire quelque chose, Scraps qui va tomber finalement, et Sim qui va continuer d'engranger des points pour son équipe et même d'aller dans le dos de ses adversaires là pour les embêter un petit peu. Gros kill de la part de cette équipe, encore une fois, des Atlanta FaZe. Pour l'instant, on est en très très bonne position. Scraps qui va réussir à enchaîner et enfin peut-être réussir à faire ce break pas évident, mais on va dire qu'on passe peut-être par le meilleur côté pour le faire. Donc on va tenter d'entrer dans le point d'image de Jurd ici au niveau de cet HP. Et Wuskin qui va peut-être justement réussir à éliminer son adversaire. Wuskin bien positionné de nouveau. Et Prista qui arrive à éliminer son vis-à-vis. Ouais, c'est compliqué, là on voit un Prista Major Simp, surtout qui fait encore une fois le ménage. Mais Scraps qui est venu pour un petit peu calmer les ardeurs de tout le monde. Un très très bon double kill. C'est Liam qui va devoir mettre un petit peu de stuff, attendre ses adversaires. Mais pour le moment, c'est bien les FaZe hein, qui contrôlent ce point, même s'il est tout juste contesté. Et immédiatement calmé par Liam qui vient faire un gros double kill là. Cette décale sur Dylan qui est important, va récupérer la fin de ce point. Et j'ai bien l'impression même qu'on a opéré une transition plus que correcte hein, du côté des FaZe pour le prochain point. Il sera finalement récupéré par la structure américaine, 163 à 33 pour le moment. Alors est-ce que on se bat sur tous les points? On ne sait pas, mais quoi qu'il arrive, ce sont bien les FaZe qui sont devant pour le moment, avec encore une fois Abezi qui vient prendre le meilleur sur Wuskin. J'ai l'impression qu'au niveau du Slay, on est vraiment pas mal. Simp en 12-6 déjà, il fait sensation, il montre toute l'étendue de son talent. On était chercher une ligne très compliquée là pour Wuskin. Gros headshot est derrière, malheureusement on n'aura pas le soutien nécessaire. C'est Simp qui vient encore une fois faire le ménage. Sim, j'ai l'impression que les kills, c'est par pack de deux. Hein. C'est pas possible de faire des kills isolés. C'est toujours à chaque fois en deuxième. Ouais, assez important là du côté des FaZe. Effectivement, ils enchaînent toujours très très bien. Donc on va voir comment ça se déroule pour la suite. Simp et ses coéquipiers qui vont tenter d'aller justement terminer ça plus rapidement que prévu. On va dire une map vraiment très très surprenante pour l'instant, car les joueurs la partie n'a pas été relancée alors qu'on n'a pas joué pendant une centaine de secondes quand même du côté de cette équipe des London Royal Ravens. Donc assez surprenant, je pense qu'on en connaîtra un petit peu plus par la suite. Mais en tout cas sur les réseaux sociaux, pour l'instant, tout le monde est en train un petit peu d'être surpris, de pas comprendre ce qui se passe. Donc bon, on va voir pour la suite, mais ça se dirige très clairement vers une victoire de cette équipe des Atlanta FaZe. Et malheureusement, si ça compte, on va dire que ça va faire peut-être mal à cette équipe des Ravens qui n'ont pas pu faire grand chose lors du début de cette manche, bien évidemment, s'ils n'étaient pas, on va dire, prêts pour jouer. Ça reste un petit peu compliqué. On va essayer de voir la suite, mais pour l'instant, on dirige vers une victoire de cette équipe d'Atlanta, évidemment. Ouais, Jordan Killing Spree là qui vient de se targuer le 5 kills d'affilée et fait un start en 7-14. Un peu compliqué, mais les joueurs de London forcément qui ont dû être un petit peu déconcertés hein, par ce start de game. Et finalement, plus que 20 petits points à mettre pour les joueurs d'Atlanta. On pourra bien évidemment pas conclure hein, sur ce point mathématiquement, mais on va s'en rapprocher tout doucement. Presta qui essaye de prendre voilà, cette ligne au niveau du top. Ça ne sera pas à nouveau contest. Et les joueurs FaZe qui vont sans doute clore très très rapidement cette game. Un seul petit point leur manque pour remporter ce point stratégique qui, comme tu l'as dit mon cher Julien, va sans doute mettre un gros coup sur la tête des joueurs européens. Et Priesta encore une fois là qui vient montrer tout son talent avec un gros double kill. On résiste quand même du côté des joueurs de Londres. On commence à grappiller quelques points, mais l'effort semble surhumain hein, mon cher Julien.
Mais là, là, si on fait un comeback, ce serait le plus grand comeback de l'histoire de Call of Duty. Hein. Globalement, je pense qu'être AFK au début d'une partie et réussir à l'emporter dans un match avec ce niveau de jeu-là, ce serait peut-être le plus grand comeback de tous les temps. J'y crois peu quand même, hein, pour être assez franc avec vous. J'espère, je l'espère. Hein, ce serait vraiment magnifique, mais pour être tout à fait franc, ça m'a l'air un petit peu compliqué. On va partir non plus sur la rotation, évidemment, du côté de cette équipe à des feuilles. On a même été chercher, grappiller quelques points. On a profité un petit peu de l'inattention, encore une fois, du côté de cette équipe des London Royal Ravens sur la game. Donc 250 à 104, on va dire que c'est une victoire de la part de cette équipe de Fate, mais assez surprenant, hein, sur la physionomie de cette partie. Je vous avoue que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu jusque-là, hein, en espèce d'AFK au début de la partie, mais bon, on va dire qu'un point est un point pour cette équipe d'Atlanta, et ça fait 1-0 pour eux. Forcément, hein, dans les livres, ça restera uniquement la victoire en HP. Eux, pour eux, dans leur tête, je pense que ça vaut uniquement 1-0 dans ce BO5. Et voilà, c'est assez dommage pour les London qui, je pense, doivent être un petit peu perdus là après ce start. C'est vrai que forcément, les joueurs d'Atlanta ont eu un gros avantage, hein, sur cette map. Mais on le voit au niveau du tableau des scores, on a pris un petit peu l'eau du côté des Européens et forcément Simp, encore une fois, qui se démarque avec un très très bon KD, un joueur qui a vraiment une MP5 très agressive, un joueur très mobile qui a l'air de jouer avec toute sa tête, et ça paye encore une fois. En tout cas, on va voir si les joueurs de Londres vont réussir à réagir. Je pense que la meilleure des solutions, ça reste d'oublier cette HP et de repartir de plus belle sur la recherche et destruction qui devrait se dérouler sur Arklov. Ça va être compliqué très rapidement, je pense, pour Londres s'ils n'arrivent pas malheureusement à égaliser dans cette recherche et destruction, parce qu'après, mentalement, être au pied du mur et en plus éventuellement avoir subi une situation de 4v5 pendant un tiers de l'HP, je pense que ça pourrait les mettre un petit peu au fond. Oui, play of the game, là, justement, on va revoir rapidement tout ça, mais en effet, les Ravens vont devoir se réveiller très vite. Hein. Justement, après ça, on a eu quelques infos, je vais vous les communiquer juste après. Mais Prista, voilà, qui avait fait la grosse différence au niveau de ce point. C'était juste avant de pouvoir terminer cette game, justement, bien joué de la part de Prista. On va dire que c'est peut-être pas le plus impressionnant vu la physionomie de la game, mais bon, on le prend du côté de Prista et on va se faire plaisir avec ce petit point. Mais voilà, bon, une règle est une règle, c'est qu'un joueur était parti visiblement chercher à boire, on va dire. Hein. Donc, bon, visiblement, ils ont tenté de faire redémarrer la game, mais visiblement, ce n'est pas ce qui est écrit dans les règles, hein, du côté de la Cold League. Donc, évidemment, on a respecté les règles au doigt et à l'œil. On va dire que c'est quelque chose d'assez rare. J'avais jamais vu ça jusqu'avant, mais en tout cas, les joueurs au moins vont être prévenus pour la suite. Il ne faut pas partir lorsque la game se lance, mes amis. Ouais, c'est assez regrettable, hein, quand même, à ce niveau-là, de pénaliser son équipe sur un détail comme ça. En tout cas, je pense que l'erreur ne sera pas refaite du côté des joueurs de Londres qui paient le prix fort de ce verre d'eau. J'espère qu'il était délicieux, en tout cas, hein, et qu'il l'a vraiment bien hydraté, parce que il va lui en falloir un petit peu de puissance pour cette deuxième carte. En tout cas, il va falloir l'oublier rapidement. Recherche et destruction, on le disait hier, ça a été compliqué. C'est finalement ce qui a un petit peu sorti les joueurs de Londres de la panade sur la dernière carte, avec un gros double kill de la part de Shinny, alors qu'il y avait une situation de bombe à désamorcer. Wuskin nous avait précisé dans l'interview qui a suivi le match que il avait simplement call toute la manche, que voilà, il avait insisté sur le fait qu'il y avait un joueur là-bas, il y a eu de la bonne communication, mais on a vu quand même que ça s'est joué à quelques détails. Après, j'ai envie de dire, cette première sommation d'Optic Gaming qui est partie déranger les joueurs de Londres, est-ce que ça commence pas à faire beaucoup sur le mental éventuellement de nos Européens pour cette montagne qui est FaZe? Je pense pas que ce soit le meilleur des starts. Ça devient compliqué, ouais, effectivement. Les starts, pour l'instant, des games de la part de ces Royal Ravens sont pas dingues, clairement, dans ces BO. Donc, il faut essayer d'être fort. Pour l'instant, on l'a vu, ils l'ont été face au Optic Gaming hier. Mais là, c'est un tout autre, justement, monstre en face d'eux. Effectivement, cette équipe d'Atlanta, peut-être l'équipe la plus prometteuse, avec le plus de talent individuel, en tout cas de jeunes rookies avec énormément de talent. Peut-être que Major Maniac est un petit peu plus vieux. Justement, on allait les présenter, justement, à l'écran. Mais voilà, c'est une équipe avec
énormément de jeunesse, énormément de fougue et beaucoup de talent. Donc évidemment, ça va être important de les surveiller. Les matchs de Abizi, Selium qui a déjà été MVP dans Homestand, Priesta et Sim. Peut-être les trois joueurs à gauche sont, on va dire, quatre des plus talentueux joueurs de la scène, bien évidemment. Et Major Mania qui est à gauche, un petit peu le papa, hein, j'irais peut-être pas jusque là, mais le joueur un peu plus vétéran avec un petit peu plus d'expérience dans cette équipe, capable un petit peu de, on va dire, de gérer tout ça. Donc effectivement, ultra important de suivre cette équipe lors de cette saison, parce que honnêtement, ils peuvent aller très loin. Ouais, et on voit justement à l'écran la formation européenne des London Royal Ravens. Et on l'a dit, un des noms forcément qu'on connaît sur la scène Call of Duty, que dire de Jerd, qui est là depuis... je pense la création du jeu, très clairement. On l'a dit, les frères Whiskey et Scraps qui sont assez complémentaires et qui amènent beaucoup beaucoup d'osmose et beaucoup d'harmonie dans cette équipe. Et puis des talents comme Dylan et Chenny qui ne sont plus à prouver désormais et qui ont fait leurs armes, hein, que ce soit sur les scènes européennes ou même sur les scènes internationales. Une formation quand même assez intéressante, je trouve, en Europe, qu'on... Parce qu'on a un tel vivier de joueurs sur notre continent qu'on aurait pu retrouver un petit peu ce qu'on avait avant, c'est-à-dire les fameux Jerd avec Tommy et tout ce petit microcosme qui forme encore des rosters ensemble. Et finalement, Tommy a fait le choix d'évoluer pour une autre franchise, cette fois-ci en tant que remplaçant. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose aussi et une chose nécessaire pour évoluer, que ce soit pour toutes les franchises d'ailleurs, de faire ces mix dont parlait Sacha hier, par exemple, de mêler cette nouvelle génération avec les anciens pour arriver à une harmonie un petit peu plus complète? Ouais, je pense que c'est important. Et là, il y a vraiment, on va dire, tout qui a été un peu relancé, hein, avec cette année, évidemment, de la CDL. C'est la première saison inaugurale, justement, où on a vraiment ce système de franchise avec beaucoup de nouveautés, évidemment, intégrées à la saison. Donc, il y a eu aussi un choix, je pense, un petit peu global du côté des Anglais. Et surtout, on peut penser ça à un choix peut-être plus de propriétaire, un petit peu comme on peut voir dans des grandes ligues, etc. Donc, quelle petite pièce je vais ajouter à mon roster pour en faire justement le roster qui va tout remporter cette saison-là. Donc, beaucoup de changements autour de tout ça. Et effectivement, ça peut provoquer ce genre de changement et les habitudes sur lesquelles on était habitués sur Call of Duty. On est parti pour la seconde game, mon cher Dim. Cette fois-ci, pas d'AFK du côté des Ravens. On va tenter d'aller tout de suite jouer la première manche. Une bonne chose, en tout cas, au moins au début de la game, j'ai envie de dire. Ouais, et on va voir toute l'importance des scopes, hein, des snipers qui prennent les grandes lignes. On a vu Whiskey partir au niveau de cette longue. C'est Simp qui l'aura en face, et attention, parce que c'est un sacré client. Ça va être un très très beau duel à observer durant cette recherche de solution. Il est assez slow, on essaie de prendre un premier pick. C'est bien fait du côté de Scraps qui va se débarrasser de Major. Et tout de suite, on va pouvoir rediriger son attaque, étant donné qu'on a ouvert... On va devoir rediriger son attaque du côté d'Atlanta, vu qu'on s'est fait ouvrir et qu'on a perdu un de ses membres. Et là, tout de suite, c'est une situation un petit peu plus difficile, mon cher Julien, puisque, comme vous voyez sur votre minimap en bas à gauche, on a un véritable mur, hein, qui a été fait par les Londoniens. On est très, très patient. On va pas chercher de lignes trop ouvertes. On attend simplement que les Américains fassent le jeu. Ils vont devoir s'activer. 25 secondes restantes. Il va falloir commencer à déclencher. Tout à fait. Il va falloir déclencher. On va essayer de prendre les premiers qui l'a pris, qui va pouvoir enchaîner. Il est bien positionné. Attention, Jerd qui va tenter de revenge. Bien, bon, bien joué. Moins 3 de la part de cette équipe des Londoniens. Presta en situation un peu compliquée. Il va réussir à attraper le premier kill. Tenter de poser cette bombe. Mais 8 secondes restantes à jouer. On a lancé une grenade, il me semble, du côté de Jerd. Non, c'est pas parti. Attention, Presta qui a réussi à poser cette bombe. Situation dans la contre 3, mais il ne pourra pas s'échapper. Wuskin qui était bien vigilant. Et on va pouvoir tranquillement désamorcer cette bombe. Les Londoniens qui démarrent mieux cette recherche et destruction que le point stratégique. 1-0 en faveur des Anglais. Et pour l'instant, ils se relancent petit à petit dans la partie. C'est clairement pas leur mode de jeu préféré en Londonien. On les avait vus, hein, ils sont en 2-7 depuis le début de la CDL. Mais là, clairement, on va dire qu'une map maintenant leur ferait le plus grand bien. Après, c'est HP un petit peu chaotique. Ouais, il va falloir confirmer. On entre en tout cas déjà dans de bien meilleures conditions dans cette recherche et destruction par rapport à l'HP, tu le disais. Et les FaZe qui, je pense, veulent continuer sur leur très très belle lancée. On l'a vu hier, hein, ils ont fait le coup aux Parisiens, c'est-à-dire qu'ils ont subi un break d'avance sur l'intégralité de la recherche et destruction avant d'égaliser à 5-5 et d'aller chercher le round 11. Donc il va falloir être très très vigilant du côté des Londoniens. On a de la grosse linoscope qui vient d'être trouvée par Wuskin, qui va avoir peut-être l'information au niveau de ce BPA. On a décidé de back, Simp est tombé, mais Abessi qui vient rééquilibrer les débats avec un gros double kill. Dylan
Il va finalement prendre cette revenge, situation de 3 contre 3 entre les deux équipes. On essaye de se défaire voilà, de son adversaire avec Dylan qui va prendre un kill très très important. Il a la bombe, mais le problème c'est que ce BP est parfaitement protégé. Il va devoir attendre forcément l'arrivée de ses coéquipiers pour avoir un petit peu d'aide. Les joueurs face qui décident de les attendre de manière très très reculée, à l'image de Celium là qui prend une ligne pour couvrir absolument toute tentative de backup. Dylan bien positionné comme... Tu l'as très bien souligné, il va tenter de se diriger sur le bomb site maintenant et de poser cette bombe. Il va commencer par recharger la MP5 pour ensuite poser la bombe. La bombe qui maintenant, voilà, a été posée, donc avantage. On va dire sur le papier à cette équipe, l'on voit bien de gros kills de la part de Shkini, là, qui va venir intercepter Prista, qui s'est un petit peu, on va dire, séparé de ses coéquipiers. Shkini qui va continuer son gros travail, là, en éliminant Celium. Et va-t-il pouvoir aller chercher, pourquoi pas, Major Maniac sur le côté gauche? Qui est maintenant bien seul en vie, il ne pourra pas trouver le premier frag en plus Major Maniac, donc il va être repéré, Shkini qui va l'agresser de son côté, et encore une fois, malgré qu'il arrive à prendre ce premier kill, ça ne suffira pas, Shkini qui pourra faire la différence de 0 en faveur des Londoniens, et très très grosse fin de manche de la part de Shkini, justement qui termine le travail très correctement de la part pour ses coéquipiers, pardon, et voilà, très solide Shkini, 2-0, on démarre très bien et on fait d'entrer le break pour cette équipe londonienne, ultra important pour repartir là justement du bon pied. Et on va voir si les phases peuvent un petit peu changer tout ça. On avait vu justement dans les clés de la victoire avant le début du match, il fallait peut-être pas se baser on va dire sur les picks au sniper, mais pour l'instant Wuskin il est en train de remporter ses duels. Oui, il est en confiance et c'est ce qu'il faut hein, pour cette formation de Londres, surtout qu'on a réussi à breaker sur un side attack, ce qui n'est pas rien, hein. On va pouvoir peut-être éventuellement jouer un 3-0 sur une situation de défense, même si c'est Dylan qui a subi l'open kill, situation de 4 contre 5 désormais. Attention parce que Scraps il est en embuscade là, il a pris un très très bon kill sur Sims, s'il avait été un petit peu plus greedy, il aurait peut-être éventuellement pu aussi décaler Major qui était en train de pousser derrière, il a décidé de la jouer patiemment. C'est tout à son honneur parce qu'il continue de scout au niveau de ce mid-map. Est-ce qu'il va avoir un good timing? Ça, c'est encore la question. Mais voilà, les joueurs de Londres qui n'ont qu'à attendre leurs adversaires. Il faut provoquer le mouvement. Et vous le voyez, hein, ils n'ont pas le code casting, bien évidemment. Mais on sent que ça rôde. Rouskin qui vient de mettre un hitmarker, là, malheureusement, avec ce sniper. La bombe a été plantée par les joueurs d'Atlanta qui ont profité un petit peu de l'agitation de ces deux duels pour planter la bombe. Et attention parce que Scrap c'est très très bien placé. Il va prendre le kill sur Priesta. Il a failli se défaire d'Abezi. Il sait que ça va arriver à droite. Oh. Et Scrap avec le gros gros travail. Le kill sur Manette. Malheureusement, il pourra que Wick. Jared Selium qui fait le bon travail. Shkini qui se débarrasse de son adversaire. Et Abezi qui se retrouve en situation de 1 contre 3. 1 contre 2 désormais après ce très très bon kill sur Shkini. Il va peut-être prendre la balle sur Wiskin. Mais voilà, on joue à deux. C'est très intelligent de la part des Londoniens qui vont forcément provoquer cette revenge. On tente le travers. Plutôt osé là. Et on va se faire push. Fin de manche, 3-0, parfaitement géré hein, cette manche de la part des London, même si Abezilla a failli vous gratifier d'un très très beau kill. Et on voit hein, voilà, toute la connaissance technique aussi des joueurs avec, évidemment c'est facile pour nous vu qu'on a le code casting, mais Céline prise à travers des murs, à travers une petite palette en bois qui forcément laisse passer quelques balles. Et on a... tout de même bien confirmé du côté de Londres. Mon cher Julien, j'ai l'impression qu'on s'est réveillé hein, du côté des Royal Velvet. Bon, on s'est réveillé. Busy sur ce dernier round justement qui a failli faire l'exploit. Hein, parce qu'il devait tuer justement le désamorceur. Il a failli le faire à travers en étant totalement hors de portée des autres londoniens. Donc ça a failli être extrêmement dangereux. Busy qui va justement tomber dans ce premier round. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire la différence avec leur peut-être et ce petit qui vont passer par le top ici en escaladant rapidement. Est-ce qu'on va pouvoir faire la différence? Prista qui est pour l'instant dans une situation très difficile. Il avait mis le silence mort, il a pu reprendre une bonne position, il prendra un frag. Mais Dylan suit très très intelligemment son coéquipier. Situation avantage. C'est à Londonien de nouveau pour peut-être, pourquoi pas aller chercher le 4-0 dans cette recherche et destruction. Dylan qui va planter la bombe du côté de ses coéquipiers pour leur donner un maximum de visibilité sur celle-ci. Afin vraiment de couvrir de partout. On a justement Scraps en haut de la carte qui va peut-être apercevoir Celium. Ça devrait être notre prochain kill. Sauf si Celium justement se replie bien. Il a subi pas mal de dégâts justement. Il a réussi à rester en vie. Mais Simp, bien positionné, qui va tenter d'aller aider son coéquipier Dylan. Bien
très très bien ce qu'il vient de réaliser là pour tenter d'aller justement éliminer Major Mania qui rôdait autour du bomb site. Celium qui va enfin pouvoir éliminer Scrap cette fois-ci. Mais Dylan, regardez son travail qu'il est en train de réaliser. Il va réussir à aller chercher Celium. Très bien joué encore une fois de la part de Dylan. Et personne ne pourra désamorcer cette bombe car Bouskin est encore très très bien placé avec ce sniper. Encore une fois, un excellent placement de la part des Ravens qui sont visiblement en train de vraiment s'améliorer hein, dans ces recherches et destructions. En tout cas, il nous montre un très très gros niveau de jeu et une grosse domination sur cette carte là, justement très très solide honnêtement. Les Ravens qui sont pour l'instant en train de s'envoler et peut-être un petit peu de, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais d'amertume par rapport à ce qui s'est passé envers cette map 1, donc un peu de un esprit vengeur peut-être hein, du côté des Londoniens qui veulent tout de suite recoller au score après ce qui aurait pu pourquoi pas être une totalement une map totalement différente pardon à ce qui s'est passé sur l'HP. Donc honnêtement on a l'esprit vraiment vengeur de leur côté là, Vince. Ouais, obligatoirement un petit peu revanchard, hein. Peut-être qu'ils l'ont éventuellement vécu comme une petite injustice. En tout cas, c'était de leur responsabilité. Il faut savoir respecter un règlement. Mais j'aime aussi cette force de caractère à l'image de Jerd là, qui vient se défaire de Sim, qui est vraiment un élément qu'il ne faut pas laisser trop traîner. Scraps qui a l'air d'être toujours dans les bons timings. Hein. Lui aussi, il arrive à cut ses adversaires. Il a pris aussi une information au niveau de ce fond de map, puisqu'il a réussi à toucher son adversaire avec le Stuff Jerd, qui était un petit peu greedy là-dessus. C'est Liam qui l'a bien attendu. Dylan, derrière, qui s'est défait de Priesta, mais ça ne suffira pas. 5 à 0 pour les London Royal Ravens. Ouh. Dans cette recherche et destruction qui sont littéralement en train d'offrir une leçon à ces phases. À mon avis, le message est clair. On vous a laissé l'HP, vous aviez un peu d'avance. Maintenant, on va se mettre dedans et on va voir qui arrive à tenir la cadence et les Américains qui sont, il faut le dire, assez transparents là pour le moment dans cette recherche et destruction. Tout à fait. Il va falloir se réveiller du côté des Américains. Ils sont capables de le faire avec un très gros niveau de jeu. Ils ont déjà remonté entre guillemets des plus difficiles comme ça, même si je sais pas si ça peut vraiment être plus difficile qu'un comeback 5-0. Mais on va dire que là ça peut être assez intéressant. Dylan qui va lancer son stuff et on va tenter d'aller agresser au niveau de ce BPA tout de suite. Dylan qui fait une excellente recherche et destruction pour l'instant. On va agresser le premier frag qui va être réalisé. Attention, on va tirer sur son coéquipier évidemment, mais on va surtout garder la ligne du côté de Sim pour éliminer le joueur londonien. Très bonne couverture cette fois-ci. Dylan, seul joueur en vie qui va tenter de faire la différence. Il reste également Wooskin, pardon, au sniper un petit peu plus loin. Mais cette fois-ci, on va dire sans sa SMG un petit peu folle en face, ça va être un peu compliqué. Il va tout de suite se faire punir au sniper. Première manche pour cette équipe de FaZe. Est-ce que c'est un simple parou d'honneur ou alors est-ce qu'on va se diriger vers un comeback de leur côté? 7ème round à venir pour voir un petit peu où est-ce qu'on va se diriger, mon cher Dims. Ouais, je pense que pour le mental, c'est toujours mieux de pas se faire sweep. Après, j'ai envie de te dire 6-0, 6-1, ça change pas grand-chose, mais au moins essayer d'exister du côté de FaZe dans cette recherche et destruction. Un side attack désormais qui les attend. Il va falloir être très très solide hein, pour aller chercher justement ces londoniens qui ont l'air vraiment d'avoir, tu l'as dit, très très bien travaillé ces modes de recherche et destruction. On les voit assez patients, on a l'impression qu'ils ont vraiment toujours le bon timing. Et puis que dire de Dylan qui, lui pour le coup, est en train de s'envoler hein, en 8-3. Actif aussi autour du bomb site. Et la première ouverture qui a été opérée par Shin et qui vient de se défaire de Priesta. Et là, ça va pas du tout arranger les affaires des joueurs d'Atlanta. Et tout de suite, Shinny et Dylan qui font le travail. C'est Liam qui va finalement prendre une bonne revenge. Situation de 4 contre 3. Et on a l'impression qu'on n'est pas assez rythme. En tout cas, on n'arrive pas à en mettre du côté des joueurs faits. Shinny, encore une fois, qui fait un gros travail avec sa M4 sur cette position reculée. C'est Liam qui est de toute façon un petit peu localisé hein, par son adversaire. Et c'est même Scraps qui est venu se défaire de lui. Simp avec une grosse balle de sniper qui est désormais condamné à l'exploit. Situation de 1 contre 3 qui, je pense, très clairement, mon cher Berka, va être très compliqué à négocier pour lui, sachant qu'on a l'information. Hein. Maintenant qu'on a envoyé du stuff, il ne suffit plus qu'à tenir les lignes hein, pardon, du côté des joueurs européens. 13 secondes, ça semble vraiment compliqué pour le jeune joueur de FaZe qui va devoir tout tenter, qui a été repéré, qui va faire face à Jerd et son canon qui ne nous feront pas de cadeau. 6 à 1 en faveur des London Royal Ravens dans cette recherche et destruction. Une belle victoire et une belle réaction des Européens, mon cher BRK. Après, on l'a dit, une grande déconvenue sur ce premier point stratégique. Et beaucoup de force de caractère montrée par nos amis de Londres qui, finalement, montrent qu'il est possible d'aller, d'une part, titiller ses phases et pourquoi pas d'aller se mettre dans de meilleures conditions pour aller chercher la troisième carte de ce BO.
Tout à fait, ça va être important de suivre justement cette troisième carte à venir d'ici quelques instants. Une domination, donc là, ça va clairement être le mode charnière entre ces deux équipes, donc ça va être assez important de voir ce qui va se dérouler pour la suite, mais les Ravens qui arrivent à égaliser et à se remettre tout de suite dans le match, ça c'est ultra important hein, du côté de ces Londoniens. On va voir comment ça va se diriger pour cette troisième carte. Je suis en train de regarder un petit peu la carte qui va être jouée, il s'agit d'Acne Yard, donc ultra important hein, pour ces deux équipes d'essayer de se relancer un petit peu. Les derniers souvenirs, on va dire, d'Acne Yard ne sont pas bons pour ces Londoniens qui n'avaient pas joué les 100 premières secondes de l'HP. Donc on va essayer justement de se relancer sur cette carte en essayant d'ici quelques instants de donner le meilleur d'eux-mêmes, évidemment face à une équipe de FaZe qui est absolument impardonnable normalement sur domination avec Neyard. Donc il va falloir être très solide et voir justement si les Londoniens peuvent tenter de soulever un petit peu on va dire les soupçons par rapport à leur niveau de jeu, parce que on a eu un petit peu peur lors du premier match face à Opti Gaming. On a évidemment eu peur lors de cette première carte face justement à cette équipe de FaZe, évidemment. Donc là, il va falloir vraiment se réveiller sur les modes à respawn. On va se retrouver d'ici quelques instants, mon cher Dims, pour la troisième carte, juste après une petite page de publicité. À tout de suite. PlayStation 4, the official platform partner of the Call of Duty League. SCUF Gaming, the official controller of the Call of Duty League. Et on est donc de retour dans cette soirée Code League, tous ensemble, ici Dims, toujours en compagnie de BRK pour vous faire vivre donc ce match, ce premier match entre les London Royal Ravens, les Européens, face aux Américains d'Atlanta FaZe. Et pour le moment, un partout, les débats se sont un petit peu équilibrés après cette recherche et destruction rondement menée par cette équipe de Londres. Et on va donc avoir le droit à une domination sur Acne Yard, tu le disais, mon cher Julien, avec... justement, un mode de jeu, une carte qui sont à l'avantage de FaZe. Est-ce que ça peut d'ores et déjà sonner le glas de Londres dans ce BO, étant donné qu'après on retournera du côté du point stratégique qui, on l'a vu, était un mode plutôt à l'avantage des Américains. Ouais, tout à fait. Normalement, moi, sur le papier, là, je dirais vraiment victoire de cette équipe Atlanta FaZe sur la domination à venir. Mais honnêtement, là, ils ont une telle envie de vengeance et on a un esprit vraiment revanchard, cette équipe des Ravens, qu'on pense qu'on est un peu contre le monde entier, je pense, là, à l'heure actuelle, de leur côté. Donc on doit vraiment essayer d'en vouloir un petit peu à tout ce qui peut passer. Donc effectivement, c'est ultra important de voir justement comment ils vont pouvoir réagir, et s'ils vont pouvoir réagir justement, on va voir comment ça va se passer, évidemment, d'ici quelques instants. Mais honnêtement, si j'avais une petite pièce à mettre, je pense que je la mettrais quand même sur FaZe. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mon cher Dims, mais honnêtement, ils sont tellement solides sur les modes à respawn que c'est difficile de mettre en question.
Ouais, les menaces clones, vraiment, c'est quand même leur spécialité, on l'a vu. Et puis le problème, c'est vraiment cet électron libre qui est Simp, qui ne fait, je trouve qu'il a un rôle très très intéressant dans la mesure où, en fait, il a une omniprésence au niveau des rotations, au niveau du slay sur le mid-map, mais surtout, c'est un joueur qui se déplace très très vite et qui est très très intelligent, qui fait souvent les bons choix au bon moment, et que même si vous arrivez à l'éliminer, vous avez toujours dans un coin de votre tête qui peut se cacher, il peut arriver à n'importe quel moment et qu'il va falloir s'en défaire, et plus d'une vingtaine de fois sur toute la durée d'une map à respawn. Donc effectivement, c'est un paramètre, j'ai envie de dire, qu'il ne faudra pas négliger. Néanmoins, je trouve qu'on a une certaine solidité, notamment du côté des AR, du côté des AR londoniennes, et je pense on peut éventuellement se reposer là-dessus pour, on va dire, peut-être faire ce que Paris n'avait pas réussi à faire sur les modes à spawn contre FaZe hier, c'est-à-dire éventuellement un petit peu mieux setup les rotations et s'offrir de meilleures conditions et être toujours dans Et la défense d'un HP plutôt que la reconquête et de devoir break un point pour ensuite devoir le tenir. Mais voilà, on va voir s'ils vont réussir à se mettre dans les meilleures conditions. En tout cas, on part tout de suite pour cette troisième carte. On l'a dit dans ce BO5, un partout pour le moment entre les London Ravens, les London Royal Ravens, pardon, et les Atlanta FaZe. On sera du côté des FaZe pour commencer avec Priesta qui va directement rentrer dans ce point, prendre le premier kill sur Whisky Nabezi directement, qui lui apporte du soutien avec le bon kill sur Jord. Scraps qui va essayer de prendre le meilleur sur ses adversaires, mais on sent tout de suite un Abezi très 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 agressif qui va aller chercher ce point dans le garage. Et finalement une situation de deux caps, une première situation de deux caps qui semble s'offrir aux joueurs FaZe, même si Tilan a vraiment pas du tout envie. Mais Major va le calmer, une situation de deux caps donc récupérée par les Américains qui va pouvoir les mettre un petit peu dans de bonnes conditions. On le disait, Julien, hier avec Sacha, on avait ce débat et je trouvais sa réflexion très intéressante. Il disait que dans une situation où on a deux caps, il semble un petit peu plus aisé de rester à deux caps sur cette carte. Mais dans une situation où on court après le score et après les captures, c'est bien d'aller déclencher une 3 caps pour provoquer de la rotation sur les joueurs déjà en place et pourquoi pas s'offrir un petit peu plus de d'écart, quand on le sait, c'est 12 points d'écart en une minute pour une situation de 2 caps, ce qui peut s'avérer pas beaucoup au final. Ouais, c'est vrai que c'est assez peu, il faut vraiment être vigilant et vraiment, on va dire, choisir le bon moment pour aller chercher ce 3 cap parce que des fois ça peut un peu se retourner contre soi, donc faut vraiment être assez vigilant là-dessus et vraiment, on va dire, sur un team play, une grosse séance de slay, global assez importante. Là, il faut essayer, surtout peut-être pour cette équipe de FaZe, d'aller chercher ce point A, Sim qui vient de détruire Shiny ici, il faut vraiment tenter d'aller chercher ce A parce que c'est peut-être un petit peu plus à leur avantage, donc pour l'instant, on est pas mal du côté FaZe, mais on va dire qu'on est du mauvais côté de la carte pour l'instant hein, pour eux, donc c'est un peu plus compliqué de tenir à la fois ce B et ce C que ce A et le point Bravo, donc évidemment un petit peu plus compliqué. On garde l'avantage, mais on va égaliser immédiatement du côté des Ravens. Maintenant, ils viennent de récupérer le point B, donc ils vont être attribués, ils vont avoir deux points de plus, pardon. Et Ruski est bien positionné, qui va tenter de faire la différence. Eliam qui va être un peu agressif, va se prendre pour Superman ici, mais il n'arrivera pas à s'accrocher au final et il tombera sous les balles de Ruski. Ruski qui est, tu le disais, hein, très impressionnant à l'air. Pour l'instant, il est en train de faire un très très gros travail justement au niveau de cette fenêtre et ça lui permet justement lui et son équipe de garder la position de Jordan extrêmement agressif. Il va simplement gagner un maximum de temps pour son équipe. Il va certes tomber, mais ça a tellement ralenti les FaZe qu'il a au moins rapporté 2 ou 3 points à son équipe, absolument gratuit. Ah oui, belle belle opération là de la part des Londoniens qui pour le moment arrivent à plutôt bien maintenir les multiples assauts de cette formation américaine. On est avec Abezi désormais qui va essayer d'arriver en sneaky au niveau de ce point A. Et on a peut-être une bonne situation à jouer là, même s'il va falloir être très très vigilant du côté de Major. Ça risque de le flanquer au niveau de ce mid. C'est finalement son coéquipier qui l'a couvert et on part donc sur un listen in des London. One mid crit as well. I'm alive, bottom hill. Yeah, mid crit's on your door. Nice. Oh, second green. Green shoot, no one doing. One going top hill. Right side top hill, boys. Right side top hill. Two mid. Right side top hill. I'm jumping. Close mid, climbing in. Right side, mid crit. Climbing in, three. I'm jumping. Go back door. B. Hello me. Green. Keep it up. I'm gonna be a mid. Let's keep extending the flip. I'm in B, I'm sat in the camp corner. Smoked at mid. I'm naming your top out. I'm needing a slip.
Très bien joué de la part de cette équipe londonienne qui pour l'instant sont en train de faire vraiment la grosse différence. La Dylan bien positionnée qui va vraiment tenter de faire la différence et on se met vraiment ultra bien du côté de Dylan et de ses coéquipiers. On en parlait justement avant ce listening. On entend vraiment pas mal d'entrain du côté de cette équipe londonienne, pardon. Mais Scraps qui va pouvoir justement même aller chercher, pourquoi pas, on va dire, quelques points supplémentaires sur la fin. Voilà, on a marqué les trois petits points du tricap. Ultra intéressant, les Faces vraiment qui sont en dehors de leur domination, mais absolument totalement. Là, 26 points d'écart, ça reste quand même vraiment énorme, surtout sur Acne Yard. Attention au deuxième side, il va vraiment falloir se réveiller du côté de Faze, parce que là, on a été dominé de A à Z. Là, les Ravens qui ont extrêmement bien slay, à voir comment ça va se passer pour la suite. Mais pour l'instant, on est plutôt bien parti pour ces Ravens qui sont en train de me faire mentir. Et très honnêtement, on n'aurait pas mis, enfin en tout cas je pense qu'on n'aurait pas mis très très cher sur sur la victoire éventuelle des London Royal Ravens sur une domination qui est très chère à ses faits. Je suis à dire, il y en a terminé, mais 26 points c'est quand même costaud. Hein. C'est tout simplement 2 minutes 30 de situation de 2 caps, donc il va falloir rentrer plus que bien dans ce second side de domination côté face, sinon ça risque de se compliquer. Pour le moment, la situation de 2 caps justement a été sécurisée par la formation américaine et le bad timing de la part de Priestala qui va se faire reprendre immédiatement par Scraps qui est rentré dans le pont. ABZ qui fait un très très bon travail avec un très bon double kill qui va pouvoir donner un petit peu d'air à ses coéquipiers. Jord derrière qui essaye de mettre un petit peu de pagaille dans ce point, et c'est vrai que ce point B est quand même très très compliqué à tenir. On voit les Slayer qui font un gros travail et ça revient par vague encore et encore, mais pour le moment ça tourne toujours à l'avantage des joueurs londoniens qui maintiennent une petite avance de 20 points. Et Jurt qui vient totalement de détruire Célium là sur ce coup après Arpré Meyer sur ABZ. Jurt qui a l'impression se met tout doucement dedans avec un Whiskin aussi en 17-8 qui fait un gros travail et qui va devoir maintenir ses efforts pour essayer de réduire, ou en tout cas de réduire la cadence des Faces qui sont rentrés plus que bien dans ce second side. Et à nouveau 15 points d'écart, on a quasiment fait la moitié du chemin pour la formation américaine. Il va falloir se reprendre pour les joueurs européens. Oui, tout à fait, là ça devient de plus en plus compliqué. Attention, justement, on va être dans une situation un peu compliquée là pour les Faces. Ils vont avoir le A et le C, mais pour l'instant c'est pas non plus impossible. Scraps qui est en train de faire une série de 5 pour l'instant, mais on va tenter de garder ce B mathématiquement. Je ne sais pas si ça va passer, je pense qu'ils peuvent revenir au moins. Ouais, je pense qu'ils peuvent revenir sans trop de problèmes cette équipe de Faces si on arrive à garder cet avantage là, mais c'est ultra compliqué de garder justement le A et le C. Donc on va tout de suite se diriger vers le B, réaliser le moins 5 et ensuite justement capturer ce B. Attention, les Londoniens en train de se faire vraiment surprendre sur ce second side là. On va marquer énormément de points du côté Faze et au final ça va leur permettre là de revenir déjà à 5 points d'écart. Plus grand chose honnêtement s'ils viennent à garder ce A et ce B, c'est-à-dire les deux points les plus avantageux sur cette domination, ça suffira tout simplement pour remporter cette troisième carte. Et ouais, d'ailleurs on rappelle que on aura une petite analyse avec Brudix justement qui est en stand-by, en train de regarder justement ce match également de son côté. On va pouvoir analyser tout ça au bout de 3 maps, voir un peu ses réactions concernant ce petit match-là. Mais honnêtement, ils sont vraiment en train de faire un énorme comeback, cette équipe de Faze. Là, ils viennent à peine de repasser en tête, mais là, ça sent très très bon pour les Faze. Attention, les Londoniens qui viennent de récupérer le B, mais encore une fois, c'est Faze qui a le A. Hein. Donc dès que tu gardes le A, ça va être un peu compliqué. Non, c'est bon, on a réussi à faire le switch. Et là, ça peut redevenir intéressant pour les Londoniens.
Ouais, enfin Londres qui se réveille, j'ai envie de dire, au meilleur des moments, hein, même s'ils ont subi voilà, un très très gros retour de la part de FaZe, la situation qui risque de s'équilibrer un tout petit peu, et les Londoniens qui vont sûrement reprendre la tête de cette domination d'ici quelques secondes. Et c'est sans compter les joueurs de FaZe qui n'ont pas envie de lâcher ce lead et qui vont se battre pour ce BPB, et la Jerd qui essaye de faire ça là. Malheureusement ça ne passera pas. Chini au niveau du top qui va prendre un bon kill, peut-être le double kill de la part de Chini, il va finalement tomber sous les balles de Priesta. Bézi derrière avec un gros soutien, mais on ne capitule pas. Ouskine encore une fois qui reste dans ce point et qui essaye de le récupérer pour sa formation. Voilà chose faite, 128 partout entre les deux équipes. Il reste un tout petit peu moins d'une minute trente. Il va falloir être très très solide du côté des deux équipes si on veut essayer de recreuser un écart. J'ai bien l'impression, mon cher Berkay, que ça va se terminer à base de gros duels dans le B jusqu'à la fin pour savoir qui est-ce qui va pouvoir l'emporter. Ah. Clairement, il faut aller chercher le B, là, ils le savent, ces joueurs des FaZe. Ils sont du bon côté, hein, donc si j'avais une petite pièce à mettre, je mettrais du côté FaZe, mais il va falloir être solide contre les Londoniens pour tenter d'aller faire la différence. Bon frag de la part de Chini au niveau du minimap, mais j'ai l'impression que dans ce B, ce sont les FaZe qui ont fait la différence, 4 points d'écart, mais on vient de neutraliser le B, et on va tout de suite aller très très vite sur ce B pour reprendre la position. Gros moins 3 encore une fois de la part des Américains, et pour l'instant, ça sent très bon pour les Atlanta FaZe, même s'ils sont en retard pour l'instant. Attention, on va tenter de neutraliser ce B, mais regardez, c'est Celium en train de faire un très gros travail, il va attendre l'aide de ses coéquipiers. Dylan encore une fois qui va faire la différence, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Il a tenu énormément de temps, Celium. Et pendant le même temps, simultanément, Sim qui va tenter d'aller justement embêter ces Londoniens en neutralisant C. Ça leur coûte très très cher, ça leur coûte énormément de points. Et ça va être compliqué de revenir. 20 secondes restantes à jouer, 3 secondes d'écart. Il va falloir faire une très très grosse action de la part de Scraps. Ça ne suffira pas, j'ai l'impression. On garde le C et ça suffira pour cette équipe des Londoniens, des FaZe, qui vont même pouvoir tranquillement récupérer le B. On est large, on est tranquille. Et ça va permettre justement aux FaZe de mener 2-1 dans ce BO5. Quel point de carte, très bien joué. Vraiment dans le contrôle du côté de cette équipe des Atlanta FaZe qui ont été du bon côté de la map. Ils ont eu le A au bon moment, ce qui leur a permis d'aller bien rusher le B. Et au final, on remporte cette carte alors qu'on avait un déficit de 28 points sur le premier side. Bien joué à cette équipe de FaZe. Quel retour de la part des Américains. Tu le disais, hein, Julien, avant ce match, que c'était la carte où ils étaient vraiment difficiles à prendre. Et ils ont prouvé toute l'étendue de leur talent. On l'a vu, quel comeback. C'est quand même difficile, là, je pense, après ce premier HP et cette recherche et destruction qui avait dû redonner hein, du baume au cœur à ces joueurs de Londres, de mener de 26 points à la mi-temps en domination et de se faire remonter. Mon cher Brésic, c'est ce qu'on a eu à faire à des Londoniens qui se sont un petit peu déconcentrés ou à des FaZe qui ont tout simplement été énormes. Franchement, ça s'est joué à pas grand chose. La cap du 1 en fin de game du côté des FaZe leur a clairement donné l'avantage pour les re-challenge le B, comme tu l'avais annoncé, Julien. Et vraiment, ça a fait la différence totale. Ils se sont retrouvés si près du point B avec beaucoup de duels remportés. Là, pour le coup, c'était du simple gunfight en fin de game. Et pour le coup, pour Londres, beaucoup de regrets d'avoir longtemps mené et de s'être fait rattraper dans les derniers instants. Après, voilà, du côté de FaZe, on a énormément de joueurs qui ont des stats stratosphériques sur Gunrunner, hein, sur cette carte. 1,43 pour Simp qui, là, pour refaire un petit peu la comparaison, était légèrement en dessous sur cette game. Et par exemple, on va prendre Major Maniac qui était en 24-18 sur le dernier screen que j'avais de la game. Il nous a habitué à du 1,24D sur cette map toute la saison. Voilà, ils ont vraiment tous un KD au-dessus de 1,11. C'est simple, sur la saison entière sur cette game. Donc, sur cette map, ils sont habitués à être performants. Du côté de Londres, on a beaucoup de joueurs qui sont en dessous les 0,80 sur cette même map, ce qui fait que déjà de base, ils partaient avec un léger désavantage, on va dire, un léger manque de performance sur cette carte. Là, on a vu Chini bien en dessous, un 15-23 encore une fois. Pour les autres, on était au-dessus en termes de kills. On avait même un avantage, si je fais le décompte rapidement, on avait même plus de kills pour Londres, quasiment... à quelques secondes de la fin de la game, à 30 secondes de la fin de la game, on était à plus 10 en termes de kills, ce qui aurait dû leur donner un avantage de plus 10, plus 15 en nombre de points aussi sur cette domination, et ça n'a pas été le cas. Donc peut-être un problème en termes de slaying dans les bonnes zones, un problème de gestion des caps aussi. On a vu à la fin de la game, Sim qui a été... décape le C intelligemment et qu'il ne l'a pas recap tout de suite pour laisser ses coéquipiers se refocus sur le A dans le même temps. Et là, ils ont triple cap deux fois de suite. Ça a creusé l'écart dans les 30 dernières secondes. Et c'est ce qui a fait la différence pour cette équipe de FaZe qui a tout simplement mieux joué le endgame. Tu le disais justement,
Mon cher Brésic, c'est une belle gestion et c'est là où on voit aussi les grandes équipes hein, dans ces fins de game, dans les moments un petit peu d'urgence. Julien, on va partir bientôt sur un point stratégique sur Gunrunner. On le disait, ça va être compliqué pour ces Londoniens. S'il y avait une carte à jouer, c'était peut-être avant. Est-ce qu'on n'a pas déjà grillé toutes ces cartouches du côté des FaZe? On le verra. En tout cas, messieurs, si vous aviez un pronostic pour la fin de ce BO, quel serait-il? Moi, je pense hein, qu'on va assister à une victoire du côté de FaZe. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Brizik, sur cet HP? 100% FaZe. Bah écoutez, comme ça au moins, c'est clair, on va partir directement dans la game, potentiellement dernière game de ce BO. On verra en tout cas les London Royal Ravens face aux Atlanta FaZe pour le moment qui mènent donc les Américains sur le score de 2 à 1. Et on part Matthew Littari dans ce mid-game avec Dylan qui va prendre un très très bon kill. Il va pousser, il y aura sûrement Priesta sur sa gauche, il l'a vu, il va pouvoir prendre le kill aussi et donner un petit peu d'air. Oh, heureusement qu'il n'a pas eu la belle inspiration de tirer, mais directement il va se défaire de Simp avec l'aide justement de son stuff et Dylan qui voilà, se met tout de suite dans le tempo hein, dans cet HP. Les joueurs européens qui sont plutôt bien rentrés, mais on a un réveil des Américains qui vont pouvoir remettre un pied sur cette île et reprendre légère avance hein, bien évidemment. On est sur ce terrain, on sait qu'il est toujours très très disputé, mais on a l'impression que ce sont vraiment les SMG hein, qui vont devoir faire la différence sur cet HP. Mon cher Julien, beaucoup beaucoup de nervosité dès le début de la game. Et à ce petit jeu-là, j'ai l'impression que les FaZe ont peut-être un avantage avec un aussi gros talent de leur côté, avec notamment Simp, Priesta et Abizi à la SMG. C'est extrêmement compliqué, même Celium, hein, de temps en temps. Donc évidemment, il faut rester à très solide. Abizi qui va justement aller chercher Jer de Scraps en bonne position, mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Parce qu'on va pouvoir enchaîner de leur côté, on est sur cette rotation. Très bien joué de la part de Jord, mais pour l'instant il va falloir tenter d'enchaîner Sim qui reprendra l'avantage ici au niveau du milieu de la carte, au niveau de cette rotation. On est un petit peu mieux du côté London, j'ai la pression, mais il faut tenter d'aller pousser un petit peu plus hein, de leur côté, de pas vraiment être timide sur celle-ci. Et pour l'instant, gros moins 5 de la part de cette équipe londonienne qui va leur permettre, pardon, de pouvoir repartir. Jord qui va pouvoir enchaîner, mais Busy n'entend pas de cette oreille. Dylan et Jord qui peuvent justement tomber sous ses balles. Priesta et Shinny qui vont se trade au niveau de ce point. Pour l'instant, assez confus hein, ce deuxième point là. On n'arrive pas vraiment à faire la différence du côté d'une des deux équipes. Et pour l'instant, toujours quasiment égalité parfaite entre les deux, avec Dylan qui va venir enfin peut-être faire le ménage. C'était sans compter Busy qui va se repositionner. Scraps qui enchaîne bien. Celium également de son côté. Vraiment du trade à droite à gauche. C'est vraiment compliqué de voir la suite. Et peut-être un petit peu d'accalmie à venir avec justement Shinny qui est déjà bien positionné à la rotation. Attention au numéro 8 là. Sim qui est très très bien positionné dans le dos. Numéro 6 pardon, c'est Major Mania qui va arriver dans le dos. Donc attention justement à la suite. Il va être un petit peu en embuscade de ces joueurs londoniens. Il peut vraiment faire une grosse différence. Et Whisky toujours au niveau de cette longue, il va se faire détruire par Obesi directement au niveau des rails. On va pousser côté FaZe, j'ai l'impression qu'on est bien placé là parce qu'on va pouvoir enchaîner les kills. Regardez, cette feed est remplie de rouge et c'est Sim finalement qui va tomber, mais j'ai l'impression qu'on est très très bien placé et qu'on va poser beaucoup de problèmes, même si la Shiniki avec son stuff va pouvoir régler quand même un gros souci au niveau de cette... Ouh, c'était bien fait, cette petite tentative. On est un petit peu en expérience Yamakasi en même temps. Du côté des joueurs, vraiment, on cherche tous les chemins pour venir break ce point. Et attention, parce que Priesta a décidé de donner du rythme. Il va passer au niveau de la barrière. Il va pouvoir prendre un très très bon kill avant d'être au contest par Scraps, qui va prendre un bon double kill, qui va pouvoir donner d'air un petit peu à ses coéquipiers. Et les joueurs de Londres qui ont plutôt bien réagi, hein, j'ai l'impression, sur ce point. Malgré un Priesta en état de grâce, hein. 14-8 désormais, Dylan qui lui répond bien en 14-9 en face, et surtout des débats qui sont parfaitement équilibrés, 55 partout, et la transition qui a tout de même été un tout petit peu mieux négociée par les joueurs de FaZe qui vont essayer de recreuser l'écart assez rapidement, mais on a l'impression que cette game va se passer jusqu'au bout. Il s'est mis à venir du côté de FaZe. Any box P3? No, P3, two of them. It's gonna be all the boxes. Help me, P3. Help me. Have your front door. Two mid. Oh, I need help. Force ramp, two. Make him slide in. Any box left? Have your front door. I have box door. Watch your front. Box door, weak. I got him.
On a accéléré du côté de Atlanta Phase. Là justement on a bientôt 80 points d'avance justement de leur côté. De très très bonnes rotations. On l'a entendu au niveau de la communication. On se met vraiment pas mal de hype et on essaye d'avancer très très fort. La rotation va être à l'avantage des Londoniens maintenant. Mais là j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de passer sur un autre niveau du côté de cette équipe des Phase justement, qui ont profité d'une... une baisse de niveau, une baisse de régime hein, du côté de cette équipe londonienne. Et pour l'instant, on est Atlanta qui vont justement pouvoir se repositionner. Mais est-ce que ça va suffire justement du côté de Londres pour revenir? J'ai l'impression qu'au niveau du Slay, on est vraiment un cran en dessous sur cette carte, en tout cas, mon cher Dims. Ouais, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. On subit beaucoup de moins 2, beaucoup de moins 3. On voit Simpan Killing Spree encore une fois qui vient seulement de se faire arrêter. Et cette fois-ci, les joueurs de Londres qui vont devoir taper un petit peu du poing sur la table et montrer leur force de caractère parce qu'ils ont subi une assez grosse session, comme tu disais, mon cher Julien. Et j'ai l'impression que ça va continuer avec Major Abezi et Priesta qui accordent un petit peu leur violon pour faire énormément de mal au niveau de ce mid-map. 150 points désormais bientôt atteints par la formation américaine et les Londoniens qui semblent un petit peu acculés là au niveau du Slay, tu le disais, j'ai hâte qu'on fasse un petit tour du côté des tableaux des scores, mais ça doit clairement briller au niveau des Américains. J'ai l'impression qu'on trouve tout simplement pas les solutions, et même quand, à l'instar de cette situation, on arrive à avoir la bonne rotation côté londonien, on se fait break relativement rapidement. C'est pas du tout la bonne dynamique, je pense, à installer. Il faudrait peut-être être un tout petit peu plus patient. Mais c'est vrai que le Roland compresseur Phase fait beaucoup de dégâts, mon cher Julien, et ça commence à devenir compliqué de l'arrêter. Là, ça devient compliqué parce que, en fait, à chaque position, des fois, ils sont vraiment pas mal sur les rotations, hein, les Londoniens. Il n'y a aucun problème. Mais tout simplement, ils ne remportent pas les duels. Et quand tu n'arrives à pas remporter les duels sur Call of Duty, ça devient de plus en plus compliqué parce que j'ai l'impression qu'au niveau du teamplay, on n'est pas trop mal, hein, du côté londonien, mais on se fait tout simplement rouler dessus par les SMG AR, du côté des Phase. Les AR aussi, mais on va dire que c'est surtout les SMG qui font vraiment la différence, à l'image de Major Mania qui, justement, vient même d'en ramasser une. Donc, ça montre à quel point la MP5 est forte, évidemment. On va grappiller les dernières secondes et pour l'instant 130 points d'avance, plus qu'une soixantaine de points à marquer pour cette équipe des Phase. Et là, cette fois-ci, même au niveau de la rotation, on n'est pas super bien du côté des Londoniens. Je ne sais même pas si ça va suffire. Là, le numéro 0, c'est Ubizi qui va avoir un petit peu de travail à faire. Il va finalement tomber, mais on va pousser du front hein, du côté de cette équipe londonienne. Donc ça va être compliqué hein, de tenir du côté de Scraps. Il va tomber sous les balles de Priesta qui va d'ailleurs pouvoir justement donner l'info à ses coéquipiers. Deux adversaires sur ce point, mais ils sont bien retranchés. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Sim qui va tenter justement d'envoyer un petit peu tout ce qu'il a dans les poches pour tenter de déloger ses joueurs, mais encore une fois ils sont bien positionnés. On va même décider peut-être d'aller simplement jouer la rotation, mais pour l'instant on est vraiment bien du côté Phase et c'est pas, on va dire, ce hold un petit peu j'ai envie de dire maigre de la part des Anglais qui va pouvoir changer quelque chose. On va même récupérer les derniers petits points juste en prenant des champs poubelles. Les Phase pourraient faire la différence, mais voilà, quand Simp a décidé de faire la différence, ça va devenir de plus en plus compliqué. Je regardais et je crois aussi que c'est une des forces forcément de ces Phase, c'est qu'à chaque fois qu'il reste 30 secondes et qu'on se dit ouais, peut-être qu'ils vont jouer la rotate et s'assurer, voilà, étant donné qu'ils ont de l'avance. Non, ils sont toujours un arras comme ça sur le BP. On vous laisse vraiment pas grappiller ce qu'il y a à grappiller, histoire de vraiment limiter vos espoirs au maximum. Il y a une volonté très clairement de nuire à l'adversaire, monsieur Julien. Je l'ai vu dans le style de jeu des Phase. Et pour le moment, ça a l'air de fonctionner parce que malgré tous les efforts des Londoniens, on est totalement acculé. On arrive à tenir le point 10-15 secondes par-ci par-là. Et finalement, au niveau du score, on voit qu'il y a toujours encore une centaine de points d'écart et ça doit faire mal au moral. Si je devais comparer un peu le style de jeu des Phase à quelque chose d'un peu plus réel, c'est vraiment quelqu'un qui est par terre et tu continues de lui mettre des coups de pied globalement. C'est vraiment compliqué, vraiment pouvoir
se reprend du côté de London parce qu'on n'a même pas le temps de se relever. On essaye de faire une bonne rotation, mais non, ça suffit pas. On te fait tout simplement rouler dessus et ça devient compliqué parce que même si individuellement tu ne remportes pas tes duels, à un moment ou un autre, tu as beau avoir les rotations, c'est extrêmement compliqué. Et là, par contre, cette rotation est absolument parfaite du côté des Américains. Donc de l'autre côté, ça me paraît. Je vois pas comment les Londoniens vont pouvoir break ça. Un bon moins 3, mais ils vont réapparaître pas trop loin. On a quand même réussi à bien se positionner du côté londonien. Ils me font peut-être un petit peu mentir, mais là il faut remporter les duels et c'est un peu ce qui a pêché depuis le début de cette game. John maintenant qui doit faire également la différence. Est-ce qu'on va pouvoir aller embêter ses adversaires? On a réussi à coller Busy avec la Semtex, très bien joué de la part de John qui permet à son équipe de rester en vie. Mais est-ce que ça va suffire? Il va falloir tenir un dernier pull du côté de FaZe et surtout la prochaine rotation qui risque d'être vraiment très compliquée à gérer pour les londoniens. Eh oui, c'est vraiment un miracle là qui devrait attendre Londres. On essaye tout de même, hein, jusqu'au bout de la combativité, c'est ce qu'il faut aussi. C'est le mental, hein, pour aller loin dans ces compétitions. Mais malheureusement, le rouleau compresseur de FaZe est vraiment trop puissant et on ne fait que retarder l'échéance. On a l'impression du côté de cette formation de Londres, 248 à 130. Et la transition qui a bien été opérée par les Américains qui vont mettre un terme à ce BO5 et à cette map. À ce BO5 par la même occasion, 250 à 130, victoire des Atlanta FaZe face au London Royal Ravens sur le score donc de 3-1, comme on l'avait un petit peu pressenti, mon cher Julien, avec Brezix. Et c'est vrai que on a essayé de tout donner du côté des londoniens, mais on n'a pas su perforer ses défenses. Qu'est-ce que tu as pu penser de cet HP Brezix? Tu avais 100% fait, c'était assez sûr de toi. On peut dire que le scénario attendu s'est déroulé, tout simplement. Ouais, trop de force de Slay. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Atlanta FaZe est dans le point, ils ont toutes les lignes en contrôle de ligne et on n'arrive pas à passer ces lignes, comme vous l'avez bien dit. On a trop de positions ancrées du côté de FaZe et c'est trop compliqué de passer un Major Maniac qui est ancré sur une arrière ou même un cible qui garde des lignes. Voilà, pour le coup, ils ont su faire exactement ce qu'il faut faire sur cette carte. Break ou faire les bonnes rotations sur les points et ensuite garder des lignes fixes pour empêcher les adversaires d'amener des vagues et des vagues qui peuvent être dangereuses au bout d'un moment. Et là, pour le coup, mis à part sur quelques petits breaks qu'on a vus, Atlanta FaZe a maîtrisé son sujet du début à la fin sur cette carte. Julien, tu le disais, les londoniens qui, tout comme Paris hier, n'ont pas réussi à trouver les solutions. Est-ce que FaZe continuera, tu penses, selon toi, d'être ultra dominateur ou est-ce qu'il y a encore quand même quelques aspects du jeu où éventuellement ils pourraient être dérangés par une de ces équipes? Ils peuvent être dérangés, justement, on l'avait vu sur la domination, il va falloir vraiment être vigilant de leur côté, de bien rentrer dans leur partie, mais quand on voit ce genre de statistiques, regardez tout simplement du 31-25, du 30-23, du 26, tout le monde est en positif, donc vraiment du côté des FaZe, ils ont des tellement dominant que ça devient très difficile à arrêter comme machine. Et je pense que dans ce groupe B de ce bracket, justement, ça devient très compliqué d'aller les chercher. Et je vois pas vraiment qui pourra les empêcher d'aller en grande finale, Dims. Eh ben écoute, on verra tout ça juste après. On aura comme prochaine affiche, je vais y arriver, les deux vainqueurs aussi de leur match d'hier, à savoir les Toronto Ultra qui ont été assez impressionnants tout de même après des starts compliqués dans ces home series. Je trouve que cette première journée leur a plutôt bien souri face au Minnesota Rockers, si je ne dis pas de bêtises, qui eux se sont imposés aussi sur un très très large score 3-0. Messieurs, rapidement, comment vous sentez cette rencontre, vous qui allez la commenter ensemble? Julien, est-ce que tu penses que on peut éventuellement profiter de ce réveil, ce sursaut d'orgueil du côté de Toronto pour continuer un petit peu à snowball face aux Rockers, ou est-ce que tu penses que la marche sera un petit peu trop haute? Moi, je pense que Rocker ne va pas perdre de map pour l'instant sur ces deux premiers matchs. Donc, je vois un autre 3-0 de la part des Rockers sur ces Toronto Ultra. Même si on a vu un très beau visage de la part des Toronto Ultra, pardon, hier, j'ai l'impression que c'est plus New York qui a jeté la game que Toronto qui a vraiment ultra performé. Donc, j'ai vraiment des gros doutes concernant la position de Toronto. Mais j'espère vraiment qu'ils vont me faire mentir parce que, honnêtement, c'est une équipe avec beaucoup de potentiel. Mais encore une fois, je pense que Rocker, c'est peut-être une marche un petit peu trop haute pour l'instant. Et Brezix, toi, de ton côté, est-ce que tu suivrais plutôt éventuellement l'avis de Julien là-dessus?
Assez d'accord avec, avec Berka dans le fait que les Moda Spoon vont être vraiment dominés par les Rockers. Ça peut prendre une petite map sur la SND. Toronto a été très très intéressant, SND contre New York. Je pense que c'est la seule map qu'ils n'ont pas trop volé ou qu'ils n'ont pas été chercher sur les erreurs de New York. Donc voilà, ils ont été ultra dominants. On verra bien évidemment si les maps, le mapool leur convient. Mais pour le coup, Rocker vraiment très très fort. Il me semble, en plus de ce que j'ai regardé un petit peu sur les statistiques, qu'ils ont des maps qui les avantagent par rapport à leurs statistiques du début de saison. Donc ça va être assez compliqué pour Toronto. Il va falloir vraiment tout donner hein, pour cette équipe des Toronto Ultra. Et puis, bien évidemment, par la suite, puisque cette soirée est loin d'être terminée, hein, on a encore... en comptant le match qui arrive, encore 5 matchs à vivre ensemble. On aura bien évidemment aussi les Optic Gaming qui vont rencontrer les Paris Légion un petit peu plus tard. On a vu Paris hier éventuellement titiller un petit peu FaZe, ne pas réussir à plus les déstabiliser que ça. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il y a une chance de voir cette franchise française éventuellement aller chercher le Green Wall? Ça va être compliqué, hein, je pense, quand même. Là, le Green Wall, on commence à se réveiller petit à petit, justement. Et c'est justement peut-être le plus beau match de la soirée, le plus indécis. Je dirais que c'est peut-être justement ce match entre le Green Wall et les Parisiens, évidemment. Mais j'ai quand même l'impression que ça peut être un peu compliqué pour les Parisiens si on rentre vraiment pas très rapidement dans ce match, parce qu'on a vu que les Américains sont capables de faire la différence. Mais ouais, encore une fois, je dirais que c'est peut-être le match le plus indécis à pronostiquer. Donc je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi honnêtement, je vois un match très serré en 3-2. Je mettrais peut-être un léger avantage au Optic Gaming. Match couperet, un match qui déjà verra une équipe, je vais pas dire rentrer à la maison parce que tout le monde est à la maison, mais ça risque d'être compliqué. En tout cas, on aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard, les amis, puisqu'on va avoir une courte page de pub avant l'interview des joueurs.